c'est plus la même moto, hein. C'est plus du tout la même moto, hein. Ouais, non, c'est plus du tout la même moto, bordel. Hey yo les beaux gosses, comment ça va? Je suis chaud là, je suis vraiment trop content. Devinez où je vais, devinez où je vais. Je vais pas faire mes courses, je vais chez Harley. Ça y est, l'heure est venue de prendre rendez-vous pour débrider la bête et potentiellement poser le nouveau filtre à air avec une petite reprog moteur. Non. Ben voilà, ça me fait vraiment giga plaisir. J'espère que vous aussi. Je pense que je vous proposerai pas une vidéo genre super détaillée en mode avant débridage et après débridage. Par contre, évidemment que je vous ferai une vidéo en mode à chaud juste après, en mode ouah putain ça pousse gros. C'est plus un tracteur, c'est un tractopelle. Alors le Davidson, c'est là qu'on va. Regardez, ça c'est des frères ça. Salut mon gars, beau gosse. Vers l'infini et l'au-delà. Et non. Pas ce soir. Ah, je crois que je vois la voiture d'Olivia le Pixar. Oh yeah. Oh, première fois que je la vois en vrai. Le nouveau 1250 Sportster S. Elle est bien moins moche qu'il n'y paraît. Voilà, ce support de plaque derrière, il est vraiment dégueulasse avec ces feux là, mais elle est pas si moche. Bon, évidemment, si, je peux pas du tout avec ces pots d'échappement là. En fait, je suis curieux d'en voir des custom quoi. Un gros boudin et tout. Curieux de la tester. J'ai eu des retours, apparemment elle est phénoménale, mais bon, on testera. Bon, je vous reprends après les beaux gosses. Two hours later. Heureux les beaux gosses de la street. Bon, on est chez Harley. Je vais rien vous cacher. On a rendez-vous quand, à votre avis, pour débrider la moto? À votre avis? Demain 15h. La bête passe en atelier pour être débridée. Putain, c'est beau. Bordel, j'ai hâte. On dit que ça allait être le jour et la nuit à Skip. Salut beaux gosses. Hop les. Bon bah voilà, ça régale, hein. Franchement je m'attendais à ce qu'on m'annonce, je sais pas, genre un mois de délai quoi, mais non, le mec il m'a dit demain 15h ça vous va? J'ai en mode bah ok. Wouh, y'a quoi maintenant? Les rétros ils passent. Là aussi ça passe mon gars, ça passe au calme, y'a quoi? Vous voyez qu'on peut faire de l'interfile avec une bécane. Enfin avec une Harley je veux dire, l'interfile avec une bécane tout le monde le sait mais je suis complètement à la masse moi putain. Bon là je suis quasiment arrivé, du coup je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Allez, à demain. Bref, c'est le jour J des beaux gosses. Direction Harley. J'ai rendez-vous dans 20 minutes pour le petit débridage qui doit durer à peu près une heure si je dis pas de bêtises. Bon, étant donné que c'est une autre journée, j'espère que vous allez bien. Moi je pense que vous le savez hein, ça va même plutôt bien. Hein. Donc je change pas le filtre air, hein. Je répète, je sais pas si je l'ai dit hier ou pas. Là en gros je fais que le débridage. En fait il y a une pièce apparemment dans le filtre air qui étouffe un petit peu l'entrée d'air, etc. Et c'est un truc qu'ils vont retirer justement pour que bah, ça respire beaucoup mieux. Donc apparemment ça va quand même déjà être le jour et la nuit entre bah, maintenant et débrider. Ce qui est sacrément cool, j'ai vraiment hâte de tester. En fait je me rends vraiment pas compte, ça fait 4 ans que je la conduis comme ça. Donc j'avoue que je vais un peu redécouvrir ma bécane et ça c'est vraiment chouette. C'est presque ma dernière ligne droite en étant bridé. Ah, c'est fou! Putain! Dire que j'aurais pu faire ça il y a 2 ans, quoi! Mais je le fais maintenant, et c'est fou! Vraiment, voilà, je me répète, pour vous, ça doit être vraiment pas grand-chose, quoi. C'est même ridicule, mais... La dernière ligne droite avant le débridage. Pa-pa-pa! Bon, en vrai, je blague et tout, mais pendant une heure, je vais attendre comme un con, par contre. Yeah! Let's fucking go! Voilà, j'espère que je vous transmets ma joie parce que. Enfin, c'est pas du pipeau quoi. Là, on est bien là. On est très très bien là. Oh là là. Oh putain, c'est fou. C'est la dernière fois que je te vois brider. C'est la dernière fois que je te conduis brider aussi. Mon dieu. Oh, quelle régale. Bon, bah, je vous dis à toutes. Hé.
Yeah, boy. Qui c'est qui est débridé? Qui c'est qui est débridé? Qui c'est qui est débridé? C'est ma moto. Par contre, je vais pas forcément trop pouvoir taper dedans là, ni faire d'interfile parce que j'attends un pote. Enfin, il est en voiture et je vais le suivre. Et vous voyez le bordel que c'est. Mais ça y est, papa. Attendez, est-ce qu'on se fait un petit kiff? Hey, let's go boy. Oh, ça me fait presque peur. Il est déjà sorti. Ok. Oh bâtard. D'accord. Ok, j'aime. Enculé, elle fait mal aux oreilles en plus. Je t'attends. À la plate, hein. T'es fatigué là? Un peu, ouais. Ouais, ouais. J'ai envie de rouler là. Après, vas-y, on peut prendre. Ouais. En vrai, c'est bon, t'inquiète hein. Après, y'a plus de bouchon. Vas-y, c'est pour ça, je t'attends, t'inquiète. Pardon. Oh non. Culé, j'ai le cul qui glisse quoi. It's my turn, it's now or never. What the fuck? Et il a failli se planter dans la caisse lui. Ça pousse. Putain, je me fais chier hein. Non, tranquille. Attends, j'ai pas fait tout ça pour y aller maintenant. Ça met des à-coups mon pote. Bon là vous avez la stabilisation de fou furieux de la GoPro mais je vous jure que je me fais des coups du lapin à chaque fois. Là je suis en 2 à très bas régime donc ça met quand même des à-coups mais tranquille. En première ça doit être une folie. J'ai le cul qui glisse, vraiment, ça me le faisait pas avant. Ça a pétarade mon pote. Ouais, elle fait du bruit hein. Elle fait beaucoup plus de bruit qu'avant. Je sais pas si ça s'entendra à la caméra, hein, mais je vous jure qu'avec mes oreilles, c'est incroyable. J'espère qu'on s'entend là. Oh là 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 là. Mon dieu. Ok, bon c'est là-dessus qu'on va se laisser. On n'aura pas mieux. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir suivi. Voilà, je répète, c'est peut-être pas un truc de fou pour vous, mais ça fait 2 ans que j'attends ça. C'est juste incroyable. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Si vous avez kiffé, un petit like, un abonnement, n'importe quoi, un commentaire. Faites n'importe quoi, mais donnez-moi du love. Allez, bisous, ciao ciao.